Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, Octobre Rose, une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein. C'est avec cette statistique que démarrent souvent les explications sur le dépistage de ce cancer dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Ainsi, ce serait chaque année pas moins de 49 000 femmes qui apprendraient qu'elles sont touchées par ce cancer. De manière préventive, un dépistage est organisé pour les femmes de 50 à 74 ans. Encore faut-il que ces femmes soient informées sur cette démarche. Et ça, c'est le rôle des stands de la des masses que l'on retrouvera dans le journal. Voici d'abord le sommaire complet de cette émission. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, Gélibois, bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, pour la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse sarreguemine est épargnée par la délinquance. Dernière réalisation et prochain projet, le maire Jean-Luc Lutz fait le point sur la situation de Blisbruck. L'hôpital Robert Pax entame la semaine mondiale de l'allaitement maternel par une série de tables rondes, d'ateliers et de conférences. La prévention du cancer du sein passe avant tout par la sensibilisation au dépistage. Marie Curie, alias Pierrette Dupoyer, est de passage à Sarreguemines, à découvrir ce soir sur la scène du casino. Deuxième épisode de la série de Mosaïque consacrée au brame du cerf. Aujourd'hui, observez le combat des grands cerfs. Face à moi, accueille sur la scène du casino un lycéen de talent, Pierre Fabin. Et enfin, découvrez la recette du fromage Ehrenstein pané aux noisettes. La période du brame du cerf oppose régulièrement deux mâles en quête de domination. Mais au parc Sainte-Croix, le plus fort ne s'impose jamais complètement. Avec 16 mâles dans la place, la concurrence est forte. Il faut dire aussi que la biche ne s'accouple pas forcément avec le plus puissant. Le but pour un mâle dominant est donc d'être le plus souvent au contact des femelles et de faire fuir les autres prétendants. Mais ce n'est pas toujours possible, notamment quand il y a un combat. L'occasion est alors trop belle pour les cerfs moins puissants de rendre visite à l'arde de biche jusqu'à ce que le maître des lieux reprenne sa place. C'est ce que vous allez voir dans le deuxième épisode de notre série. Maison ossature bois, fermeture extérieure, une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Il y a tout juste 2 ans, la bibliothèque de Roulin fêtait son 20e anniversaire. Replay.
soyez cloud managé. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. De l'échange, de la convivialité, des histoires. Depuis 20 ans, dans la bibliothèque de Roulin, c'est à ce type d'activité que le public peut prendre part. Un anniversaire amplement fêté, avec l'organisation d'une multitude de manifestations, comme cet après-midi lecture. La bibliothèque de Roulin vous accueille les mardis, mercredis, vendredis et samedis. Pour connaître les horaires exacts et le programme des prochaines animations, rendez-vous sur le site internet de la médiathèque www.mediathèque-aglo-sarreguemines.fr puisque Roulin fait partie du réseau des bibliothèques de Sarreguemines Confluence. Et pour les infos concernant la météo, voici les prévisions pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, le soleil sera encore présent, mais les nuages venus de l'Allemagne tenteront de reprendre l'avantage. Il faudra aussi supporter le vent qui va, encore une fois, accentuer la fraîcheur. Et ça ne va pas aider les températures qui sont déjà bien basses avec de 0 à 3 degrés le matin et de 10 à 13 degrés au plus chaud, ou en tout cas au meilleur de la journée. Demain, nous sommes le mercredi 12 octobre et nous fêtons les Wilfried. Le soleil nous accompagnera de 7h49 à 18h46. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, vague de cyberattaques sans précédent. L'enjeu n'est pas de savoir si un incident aura lieu, mais quand. Depuis fin août, la France est tout particulièrement visée. La Lorraine n'échappe pas à cette vague de cyberattaques. Les entreprises doivent se protéger. À la une de l'édition de Moselle Nord, Alice, un radar dernier cri et qui a la bougeotte. Ce dispositif est capable de repérer les types de véhicules qui passent à ses côtés et de contrôler le respect de la limitation à laquelle ils sont soumis sur une même route. Par exemple, 90 km/h pour les voitures, mais seulement 80 km/h pour les camions. Et en plus, il flash dans les deux sens. Il s'agit d'un radar d'un nouveau genre, autonome, amené à être déplacé en fonction de l'actualité routière. La une de l'édition de Sarreguemines est consacrée à la semaine de l'allaitement maternel. Une dizaine de jeunes mamans, femmes enceintes et aussi un papa ont par exemple appris à masser leur enfant. Plusieurs ateliers ont ainsi été organisés hier à l'hôpital Robert Pax. On en reparle dans un instant dans le JT. Pour commencer ce JT, je vous propose la découverte d'un univers particulier, la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, ouvre ses portes hier à ses partenaires et aux élus locaux. L'occasion de découvrir le service territorial de milieu ouvert de Sarreguemines, où des éducateurs notamment aident des mineurs délinquants à s'insérer dans la société. Reportage de Guillaume Dumonteil. La PJJ, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle effectue des mesures d'investigation concernant des jeunes confrontés à des situations fragiles, de déscolarisation ou de violences familiales par exemple. Mais surtout, la PJJ prend en charge et encadre des personnes mineures qui font l'objet d'une décision de justice pour leur permettre de comprendre la portée de leurs actes et s'insérer dans la société. À Sarreguemines, la PJJ dispose d'un STEMO, un service territorial de milieu ouvert qui couvre le même territoire que celui du TGI, le tribunal de grande instance. Globalement, nous suivons 180 mineurs à l'unité de Sarreguemines et principalement des actes classique de petite délinquance. Nous sommes sur des vols, des agressions, des outrages, de la dégradation. La délinquance des mineurs existe donc, mais elle est relativement limitée en nombre et faible en ce qui concerne le degré de violence des actes commis. 14 personnes travaillent à Sarreguemines au sein du STEMO. La majorité d'entre elles occupent une fonction d'éducateur. L'invité politique du mardi, c'est aujourd'hui le maire de Blisbruck, Jean-Luc Lutz. Bonjour. Bonjour. Blisbruck, on dirait presque que tout va bien. Vous venez de finir la salle polyvalente, elle va être inaugurée là dans quelques jours, c'est ça ?
Bon, tout va bien, c'est exagéré. Mais bon, la salle, on a réussi à la finir. Hein, on voulait la faire en 2 ans. Finalement, on l'a faite en 3. Et l'inauguration, effectivement, aura lieu le 28 octobre. C'est un vendredi soir. Hein. Donc, on a déjà, de toute façon, fait 2 manifestations dans cette salle qui, finalement, est relativement fonctionnelle. Et puis, c'est neuf, donc c'est beau. Et après un tel projet, est-ce qu'il reste des sous pour faire autre chose ? Disons que la période est un peu difficile. Hein. C'est-à-dire que la commune a quand même perdu 60 000 euros de dotation depuis 2011. Et faire une telle salle qui a coûté 1,5 million hors taxes, hein, pour la commune, c'est une lourde charge car nos recettes de fonctionnement sont à peu près aux alentours de 650 000 euros par an. Hein. Donc on dégage un autofinancement, mais cet autofinancement est maintenant réduit, considérablement réduit, par cette baisse de dotation. Et d'un autre côté, on a quand même dû faire un emprunt pour faire cette salle et ça réduit également cet autofinancement. Mais bon, nous avons toujours des projets, peut-être un peu moins d'argent, mais 2017, nous allons un peu nous reposer financièrement et 2018, ça va quand même repartir avec quelques chantiers en cours. Pour renflouer les caisses, vous pourriez augmenter votre part sur la taxe d'habitation, par exemple. Vous pourriez avoir plus d'habitants d'un lotissement, c'est prévu ? Disons que pour augmenter les taxes, hein, c'est-à-dire c'est un sujet tabou hein, chez nous, hein, donc ça fait quand même depuis 20 ans maintenant que les taxes n'ont pas bougé, les taxes communales hein, n'ont pas bougé. Et puis le lotissement, c'est vrai qu'il y a une première tranche de lotissement qui est prévue en 2017, mais un lotissement, c'est un budget particulier, un budget à part. Ce sera avec un emprunt relais. Hein, donc le financement se fera uniquement avec la vente des terrains. D'accord. Vous allez devoir maintenant vous prêter à l'exercice de style du mardi et répondre aux propos qui ont été recueillis sur le vif. Alors les téléspectateurs vont sans aucun doute la reconnaître puisque pour une fois, ce n'est pas un anonyme dans la rue, mais la première personne que j'ai croisée hier après-midi, eh bien c'était celle que vous avez bien connue puisqu'elle animait sur Mosaïque la chronique de jardinage. Alexandra, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur Mosaïque. Oui, c'est vrai. Je bouge un petit peu dans la grande région et voilà. Alors là, je suis tombée sur toi par hasard. Ça tombe bien, ce sont pour des propos qui s'appellent « Sur le vif ». Et ma première question, c'est au niveau des politiques. Quel est le degré de confiance que tu as sur eux? On va dire, allez, une note de 1 à 100. Quel est le degré de confiance que tu leur accordes? Sur toutes les politiques actuelles, 0. Voilà. Au niveau des hommes politiques, 0 confiance. 0 confiance, je pense actuellement, 0 confiance. Je trouve qu'il faudra échanger toutes les équipes là, actuelles. Là, tu parles au niveau national ou aussi au niveau régional, voire local ? International. Pas seulement en France, partout, quoi. Voilà. Et si on regarde à l'échelle locale, dans le secteur de Sarreguemines, tu penses la même chose ? Le problème, c'est que je suis trop sortie, en fait, du contexte. Je navigue en ce moment plutôt en Luxembourg, etc. Ça veut dire que je suis un peu sortie, en fait, du local. Je ne sais même pas qui se présente. Est-ce que tu votes ? Moi, je ne peux pas. Je suis allemande. Donc, tu peux voter seulement pour les européennes ? Je peux seulement voter pour les Allemands. Voilà. Comme j'ai toujours gardé ma nationalité, je peux voter mon maire, mais je ne peux pas voter le président. Voilà. Et ton maire, par exemple, tu lui fais confiance ou pas ? Bon, je pense que M. Meyer, il ne va plus se présenter. Là, il a fait quand même quelques mandats. Oui, je lui ai fait confiance. Oui. Oui, j'étais plutôt bien avec. Alors, la confiance dans les politiques, vous l'avez ou pas ? Ben disons que la confiance, les politiques dirigent quand même l'ensemble des pays, des régions et de l'Europe, du monde. Donc il faut quand même leur donner une part de confiance. C'est vrai, mais seulement les politiques, surtout à un certain niveau, doivent montrer l'exemple. Et s'ils ne peuvent pas montrer l'exemple, les gens perdent foi en eux. Alors c'est au niveau national ou c'est au niveau local qu'on doit le plus montrer l'exemple ? Ben disons qu'il faut le montrer au niveau national. Et également au niveau local. C'est important. Bon, maintenant, la politique, dans le niveau des communes, un maire, ce n'est pas un politique. Un maire, il gère le village. Il gère le village, quand on gère l'intercommunalité, mais sans plus. Ça, c'est une politique locale. La politique locale, de toute façon, les gens, tout le monde se connaît. Et dans une politique locale, si on n'est pas apprécié,
on n'est plus revoté. Ce qui n'est pas toujours le cas aux politiques plus importantes, politiques nationales, où tout se fait par liste, hein, et que c'est les partis qui dictent finalement les orientations, et la démocratie dans ce domaine a quand même quelques limites. On a bientôt les élections présidentielles. Est-ce que, en tant que maire, vous allez donner votre signature à l'un des candidats ? Ben, disons que pour l'instant, je ne l'avais jamais donné, car les candidats qui en avaient vraiment besoin en ont toujours eu. Alors vous êtes maire depuis 1995 ? Je suis maire depuis 1995. D'accord. Et les petits candidats, parfois, c'est quand même, ils ne font pas beaucoup de voix, hein, pas beaucoup de pourcentage, et souvent ces petits pourcentages nuisent aux grands partis. Et alors les grands partis sont affaiblis parce qu'il y a beaucoup de petits candidats. Donc, et sur un deuxième tour, par exemple, tous ces petits candidats, eh ben, leurs électeurs se rallient à un grand. Mais si les petits ont pris les voix au grand au premier tour, ben, le grand au deuxième tour, il n'est plus présent. – Donc vous, dès le premier tour, vous voterez pour un grand, comme vous dites, ce sera qui ?– Je ne sais pas, ah ça je ne peux pas vous dire, je le réserve, je réfléchis encore. – Ok, bon, ben, on espère que vous nous le direz. Hein, merci beaucoup d'être venu, on aura l'occasion de revenir à Blisbruck, on va continuer la suite de cette émission. Hier déjà, nous vous parlions de l'allaitement, la semaine de l'allaitement maternel avec la grande tétée. On poursuit aujourd'hui avec les ateliers proposés à l'hôpital Robert Pax, une série de conférences et de tables rondes sur le thème de l'allaitement, mais pas seulement. Reportage de Thomas Drouin. Parler de maman vache à lait serait sans doute quelque peu provocateur lorsqu'il s'agit de parler d'allaitement maternel. Car allaiter est pour les mères et futures mères source de bien des questions tant sur la santé que sur le développement de leur enfant. La série de rencontres proposées dans les sous-sols de l'hôpital Robert Pax avait pour objectif de répondre le plus simplement possible à ces questionnements et apporter différentes informations sur les bienfaits de l'allaitement maternel, notamment du point de vue du développement de l'enfant à court et long terme. Le bien-être de l'enfant a aussi été mis en avant au travers d'un atelier tactile visant à apprendre à masser son enfant, le côté pratique aussi, avec une présentation des couches lavables nouvelle génération. Si l'automne est souvent associé aux couleurs jaunes et oranges des feuilles des arbres proches de tomber au sol, le mois d'octobre, il est aussi de couleur rose. C'est cette couleur en ruban qui sert d'emblème pour la campagne de sensibilisation du cancer du sein. L'association Amodemas s'est installée hier dans le hall d'entrée de la CPAM pour apporter un maximum d'informations sur ce sujet. Reportage de Thomas Drouin. Octobre rosit de nouveau, notamment dans les halls des hôpitaux et des locaux de la Caisse primaire d'assurance maladie, autrement dit la Sécu. La MODEMAS, acronyme pour l'Association Mosellane pour le dépistage des maladies cancéreuses, prend en effet ses quartiers dans ces lieux pour rencontrer les patients et les usagers afin de les informer sur le dépistage du cancer du sein. Le temps d'une journée, l'association installe son stand et propose ses dépliants, premier pas vers une conversation sur ce dépistage recommandé à partir de 50 ans. Pour rechercher un possible cancer du sein, c'est un examen radiographique du sein, une mammographie, qui est effectuée tous les 2 ans. Les bénévoles de l'association rappellent aussi par leur discours qu'un cancer décelé le plus tôt possible se soigne d'autant plus facilement. Et l'association Amodemas vous accueille aujourd'hui dans le hall de l'hôpital Robert Pax pour tout vous expliquer. Et puisqu'on parlait de radiographie, eh bien Marie Curie est de passage à Sarreguemines, bon, alias Pierre Dupoyet. La comédienne aux 30 créations qui a joué dans 70 pays est arrivée hier dans la cité faïencière et sera sur la scène du casino ce soir à 20h30 pour une interprétation pétillante de Marie Curie. Mais c'est elle qui est la mieux placée pour vous en parler. Il faut absolument venir ce soir, voir et entendre, écouter Marie Curie. Marie Curie, qui aura eu 150 ans voilà, l'année prochaine. On la célèbre pourquoi ? Parce que c'est une femme exceptionnelle. Elle s'est battue dans un milieu scientifique uniquement fait d'hommes. Elle a découvert quand même les rayons X, la radioactivité, le radium. Elle a découvert tout ce qui maintenant sert à gagner le cancer. Donc c'est quelque chose qui nous est encore très très cher. On la voit en tant que mère, qu'épouse, que chercheuse. On voit à quel point la science peut être belle. Donc, pendant 1h15, on la suit dans tous ses mouvements, depuis son adolescence à Varsovie jusqu'à ses épousailles à Paris. Et puis on la voit surtout être volontaire et être humaniste. C'est un destin exceptionnel, Marie Curie, donc venez.
À découvrir donc ce soir à 20h30 sur la scène du Casino des Faïenceries. C'est un spectacle qui fait partie de la saison culturelle de Sarreguemines et qui est également proposé aux scolaires cet après-midi. Il y a eu tellement de demandes qu'il a fallu ajouter une séance demain matin pour les scolaires. Dans un instant, vous allez découvrir un autre artiste sur la scène du Casino, Pierre Fabin. Et puis on ira en cuisine pour une recette de fromage pané. A tout de suite. Bienvenue chez Optique Shot, expert de votre vision à Sarreguemines. Dans un cadre dédié à la vue, vous pourrez choisir vos lunettes de soleil et lunettes de vue librement, tout en bénéficiant de l'expertise et du conseil de nos opticiens optométristes. Optique Shot, venez, vous verrez. Testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Pour un déguisement d'enfer, festivités à Sarreguemines. Pour Halloween, festivités vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivités déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivités, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivités vous souhaite un terrible Halloween. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Samedi, 6e journée de championnat de CFA2. Retrouvez le Sarreguemines FC sur la pelouse du stade de la Blize. Les faïenciers reçoivent la réserve du FC Metz. Plus de sport, c'est samedi à 18h avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Notre rubrique « Face à moi » offre chaque semaine la scène du Casino à un artiste en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Cette semaine, c'est un lycéen talentueux qui a pris le micro. Pierre Fabin nous fait une belle interprétation de la chanson de Jacques Brel, « Amsterdam ». Je m'appelle Pierre Fabin, j'ai 20 ans. Pour les intimes, c'est Fabus. Je chante depuis 8 ans bientôt. Ce que ça représente pour moi, alors tout simplement, la liberté, le plaisir de chanter. J'ai l'impression d'être un autre homme dès que je chante. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent, au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Ce que je pense refléter quand je me vois sur scène, ben, c'est déjà un effet de bien-être, un effet de liberté. Et c'est ça qui est génial, c'est parce que quand on chante, on est dans un autre monde, on n'a plus les pieds sur terre, on se sent voler et c'est bien sûr le rêve de tout le monde de savoir voler. Ma façon de voler, ben, c'est quand je chante. À croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des filles, que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent sans riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Ce que je ressens quand je suis face à un public, alors déjà, premièrement,
Pour la plupart des publics pour qui j'ai chanté, c'était des personnes inconnues. Mais bizarrement, quand je chante face à eux, c'est comme si je les connaissais, car j'ai l'habitude d'interagir avec mon public très souvent pendant mes prestations. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime mon public quel qu'il soit, car sans un public, un artiste n'est rien. Et je pense que le public ne sait pas à quel point ils sont importants, que c'est une pièce maîtresse pour n'importe quel spectacle et pour n'importe quel artiste. C'est un plaisir, je chantais pour moi comme ça, puis ensuite c'est devenu un loisir qui s'est transformé en passion, et bien sûr par la suite si ça peut devenir une ambition, oui, enfin je pense même que c'est déjà une ambition, car je veux surpasser mes limites, je cherche que ça, à surpasser mes limites, à me perfectionner davantage, et bien sûr pourquoi pas ne pas faire... plus tard, dans quelques années, une émission comme The Voice, par exemple. Geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur bataille jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui boivent, et qui boivent et revoient, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Alors pourquoi ce choix? Moi je vois cette chanson comme on ne vit qu'une fois. Par exemple, les marins qui, dès qu'ils descendent sur terre, font tout ce qu'ils veulent, comme ils vont voir les prostituées, ils dansent, ils mangent, et voilà, c'est un peu une façon d'oublier que j'ai des cours, que j'ai une autre vie. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson qui me touche beaucoup. Dans le port d'Amsterdam. On termine cette émission en cuisine. Si vous aimez les fromages de caractère, je vous invite à goûter au Ehrenstein. Claude, le fromager de la ferme Ehrenstein, vous le propose aujourd'hui pané à la noisette. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, bienvenue à la ferme Ehrenstein. Aujourd'hui, nous allons vous proposer le Ehrenstein pané. Coupez le Ehrenstein en 8. Dans une assiette creuse, mélangez en quantité égale la chapelure et la poudre de noisette. Trempez les morceaux de fromage dans les œufs battus, puis dans la chapelure, et recommencez 2 voire 3 fois pour une belle panure. Réservez au frais. Frottez les morceaux de pain avec la gousse d'ail et faites-les dorer dans une poêle huilée et réservée. Enfournez le fromage à 220 degrés pendant environ 10 minutes, puis terminez sous le grill du four. Dressez sur un lit de salade, assaisonné d'une vinaigrette au cumin, parsemée de graines de tournesol, de morceaux de jambon cru et accompagné de quelques tomates cerises coupées en 2 et de 2 tranches de pain grillé. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un fromage Ehrenstein, 2 œufs battus, de la chapelure, de la poudre de noisette grillée, une gousse d'ail, 8 tranches de baguette, de l'huile d'olive, de la vinaigrette au cumin, 2 tranches de jambon cru, 4 poignées de mâche et pousses d'épinards, des graines de tournesol et 10 tomates cerises. Donc le Ehrenstein est un fromage de la famille des Münster. C'est un fromage à pâte molle que l'on peut utiliser en cuisine. On peut le déguster tel quel. Bon appétit. Et c'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous sur Mosaïque dès midi avec Flora Lemery. Très bonne journée à tous. À bientôt.